Nous allons, si cela nous est imposé au combat, avec l'optimisme des vainqueurs. Si on n'est pas optimiste après presque 2 années de combat électoral pour faire changer les choses à Saint-Dié-des-Vosges, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera optimiste. Alors que la décision de faire ou non revoter Saint-Dié est annoncée ce lundi 8 juin, Christian Pierret et Damien Parmentier ont réuni jeudi soir leur deux camps. Devant deux salles bien remplies, les deux hommes ont annoncé avoir confiance dans la solidité de leurs arguments et être prêts, le cas échéant, à mener campagne. On attend, nous, avec impatience. Et comme je le disais tout à l'heure à Vosges Matin, on n'a pas varié d'un pouce par rapport au match des 90 minutes et des temps additionnels dans lesquels on se trouve. On n'a pas varié d'un pouce sur notre position. C'est évident. Enfin, j'espère que personne ici ne doute ou n'imagine que pour nous, la course est trop longue. Donc ça vous paraît peut-être un peu simple ce que je vous dis ce soir, mais quelle autre attitude avoir dans ce combat que nous menons et auquel nous ne renoncerons évidemment pas. Nous serons le front haut et le regard fier. Si on nous impose l'épreuve électorale, nous irons au combat en ayant la conscience qu'il n'y a aucune raison pour que nous le perdions et qu'il y a toutes les raisons raisonnables, les raisons de cœur, les raisons de foi, les raisons de conviction, les raisons de réalisation pour que nous les gagnions. Et nous les gagnerons. Voilà ce qui va se passer. Une heure et demie de débat ont réussi à répondre aux attentes des militants. Nos quartiers ont embelli, sont devenus très bien. Moi, mon père, de son vivant, il est venu ici à Saint-Dié. Il m'a déposé, il m'a dit, je t'ai mis dans un gourbi et non pas dans une ville. Maintenant, quand ils sont revenus, mes parents, ils m'ont dit, quel changement, parce que tout a changé. Nous avons une très belle ville. Et grâce à notre municipalité, qu'on est comme ça. Et on est fiers. Très très bonne impression, j'aime bien M. Parmentier parce qu'il fera un très bon maire pour Saint-Dié. Voilà. Il est franc, mais j'adore la franchise. On a vraiment le sentiment que cette équipe a quelque chose à proposer aux Dadaciens.